Salut à tous, c'est Fixy, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 pour tout simplement faire une mission. Donc, inconnu. Donc c'est parti, on va y aller. Salopard, bande de salopards. Pourquoi je perds mon temps, pourquoi? Fantastique. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue ball suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. No problem, Marco. You are the great genius, so we shove the hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? No. No, he says. No. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic, the one the silver tongue American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. Okay. What's the toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Huh? A toy boat? Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in waves you cannot see. Oh, good for you. Waves I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please. Ladies! Gentlemen! Enchanté. Hello. Hello, sir. Okay. How is the piles? Yeah? Good, good, good. Okay. My friends, you are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. Aww. But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see, I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watch them conspire, you morons. I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. This ain't got nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and this, and... Don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships and avoid the sea. Oh, ouais, carrément. They have magnets attached, make a nasty explosion if they touch the bot. Ok, alors pour tirer, okay. Le coup R2. If this silly dimwit can use torpedoes on both the battleships. C'est trop stylé. Technology can do in the hands of certified genius. And I have certificates. Et merde. I say look out for mines. If you hit ouais, mine, désolé. On arrive. Understand? Carefully. Ok. Merde, putain, mais je suis... Ok. No police system underwater. Wow, c'est pas super facile en vrai. Hein. En vrai, c'est pas super simple. Trapped in a box at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life, not death. Okay. Migration of the soul. I make lifeless metal breathe like man. Well, I'm not sure about that.
Merde, je crois que j'avais bien visé, mais en fait pas du tout. Attends, il y a combien de mines en fait là, tu m'expliques Oui, c'est vachement bien. Evasive maneuvers. C'est énorme. Je compte sur vous, les amis, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Ça me fait super plaisir. Je vous en présenterai d'autres, vous inquiétez pas. Wow, wow. Ok, ok. On se calme, il faut pas que je l'explose. Ok, c'est bon. Ok. Wow. Pas d'accident. Il a bien été endommagé quand même le bateau. Just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. C'est énorme ce qu'il peut faire. Oh, t'en dis pas. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of pond, still avoiding magnetic mines. Or he'll attempt to, at least. Shush! You're not here for this smart talk. The steam train, the telegraph machine, the motor car. C'est bon. Seem pedestrian in comparison. Et par contre, on les voit pas très bien. Tac. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No. 3, 2, 1. Ok. Ah, il en reste un. Le dernier pour la fin. Et merde. Je me suis chitou. No one is stupid enough to recule. Hey, you really all work on your salesmanship. Americans, all you think about is sales. 3, 2, 1. Et impressionnant. Impressionnant. C'est énorme ce petit bateau. Je sais pas si ça a réellement existé à cette époque. It is the stuff of life, sir. It's incredible. No. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And thank you. If you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There, I will really amaze you. I hope you will forgive my European coarseness. In the Balkans, we are a mannerless people, but we work hard. Now, on va rester là pour écouter ce qu'il dit. Humanity itself. You see, I have now illustrated just a small sliver of the miracles I can enact on this earth. If you will help me. Merde. Ah non, il les a pas convaincus. Like the other Americans. Traitors. All of you, goddamn. Mais non, mais il gueule pas, il pouvait peut-être. Oh non mais ouais. Bon. Non. Mais non. Anything else I can help you with? No, you've done quite enough. Now you can leave me alone. J'aimerais juste. On se retrouve pour la suite de la mission, un jeune inventeur plein d'avenir.
C'est parti les amis. Alors je vais vous montrer sur la map où ça se situe avant que la mission se commence. Donc ça se situe ici, juste là. On va mettre une petite balise. Ouais non, quoi qu'on va aller. Ouais. Donc ça se situe juste ici, Marco Dragic. Donc c'est la deuxième partie de la mission. Allez, c'est parti. Et il se met bien, hein. Clairement il se met bien. Bonjour. Ah ok, c'est de l'autre côté. D'accord. Ok, on va y aller. J'espère qu'il n'y a pas à me demander d'aller à l'autre bout non plus, parce que j'ai quand même fait un bon petit chemin, les amis. Voilà. Et j'espère qu'il n'y en a pas trop, par contre. Hein. Ça me foutrait un peu les boules, je vous avoue. Il y a quelqu'un. Je compte souvent un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne Fixy pour la soutenir. Ça fait toujours plaisir, les amis. Professor, I ain't come to rob you. It's me. I helped you at the pond. You did? Oh, you did. In the buffoon. Hello. Hello. I hope I'm not disturbing you. Of course you are disturbing me, buddy. I almost solved biggest problem and you mess it up. I did? No, but I did. I can't get the bloody conductor straight. It is the geometry of life. The grand theory of power. It's the grand theory of theories. There is just one more big problem. Maybe I solve it, but I can't get it right. I don't understand. Of course you don't. Help me adjust these things, and I will show you what I mean. Here, take these. Okay, but I'm not much of a scientist. Well, you are an American. Science is far beyond you, but you make a fine buffoon. Go. You have the detector in your hand. Ok, alors on va devoir aller au point qui est situé ici. On va se mettre au milieu. C'est parti les amis, let's go. J'espère juste qu'il n'y en a pas un troisième par contre. Filigrane s'allume quand il pointe vers la droite. Maintenant, vous savez, on va aller au milieu. Et logiquement ça devrait être correct. Ah voilà. Visez avec le détecteur, placez le paramètre. On va le mettre là. Tac. Ok, on va y aller. Donc il y en a 3 à mettre je crois, si je me trompe pas les amis. C'est vachement bien. J'espère juste qu'il n'y a pas une troisième mission avec ce mec. Parce que bon. Voilà quoi. Tac. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Alors? Non, toujours pas. Quoi ce bordel? Oui, 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 oui. Alors? Ok, nickel. Tac, et le dernier? Deux en place plus le dernier. Et vous êtes toujours vivant. Yes, ça fait plaisir. Alors, où est-ce qu'il a mis le dernier? Il l'a pas encore mis. D'accord. Par contre, tu m'expliques là le délire juste. Ah, voilà, il a mis. Ok, on va y aller. Direction le point du milieu, comme ça on en parle. Waouh, l'éclair qu'il y a eu. Mais en vrai, c'est ultra dangereux ce que je fais. Hein. Il veut que je crève. Waouh. Ah ouais, mais c'est quoi ce bordel? Ah bah je suppose, attends. Si c'est proche de l'arbre. Voilà, et enfin, et c'est pas facile hein, de trouver le bon endroit clairement. D'accord, allez, on retourne au laboratoire et on en parle plus. Allez.
C'est parti, on redescend. Dites-moi si vous êtes déjà mort à cause d'un éclair. Moi perso sur Red Dead je suis jamais mort grâce à ça, à cause de l'éclair. Mais il y a moyen, mais je pense que si tu meurs dans l'éclair c'est que t'as vraiment pas de chance. I wish I'd ever gone to school and had a clue of what was going on. What now? Well, now, I become the second creature after God himself to bring life to this earth. Like this! Non, mec, le flop! Excellent. I'm missing something? Ah, the switches. The bloody switches, okay. Climb up there and adjust them for me. Go quick, please. Putain, mec, il traite vraiment comme un chien, je sais pas. Wesh, poteau, te fais pas faire. Alors, comme ça, tu ne peux pas monter. Non, mais. Monte, espèce de. Alors. Il y avait une putain d'échelle, je captais pas en fait, j'ai pas vu l'échelle, c'est pour ça que j'ai tiré. Ouais, ils mettent R2, je me dis vas-y, il faut faire un truc avec, mais pas du tout. Ok, on va monter en haut les amis, on va régler le problème, on va redescendre et j'espère que... Actionner. Tac, on actionne tous les leviers. Alors, choisir le levier, actionner le levier. Ok. Non, 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 c'est pas lui. Tac, et le dire. Oula. Ça n'a pas l'air très très bon là, je vous avoue. What? Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Mais mec. C'est bon? Ben nickel, ça marche. Nickel, nickel, nickel. J'ai fait au pif, hein, je vous rassure. Je sais pas si c'est censé rassurer les gens. Alors. Là, on va voir ce qu'il a à nous montrer. J'espère que c'est intéressant parce que tout le boulot que j'ai fait pour lui là. Are you ready? Sure. Second time lucky, hein? Second time? More like 7,000. This is my life's work. It is incredible. Un robot. Watch. Wow, c'est magnifique. Le savant fou. What is it? It is life itself. The morons who doubted me. It is me and you. Isn't he wonderful? C'est effrayant. Is that it? For now. I am so oh, you just saw creation's second birth. I just saw a machine waddle a few steps. I have a son. I am the luckiest man alive. Those morons, they doubted me. I'll see you later. Yes, yes, goodbye. D'accord. Ok, donc ça c'est fini. Après la mission, vous avez la possibilité d'y retourner. Donc c'est ce qu'on va faire. On va passer par derrière comme la dernière fois. Et là,
on peut apercevoir le professeur mort, totalement mort. Voilà, donc il a été tué malheureusement par son invention, par le robot. On va prendre la lampe. Voilà, lampe électrique. Donc c'est une lampe améliorée, hein. Voilà, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a moyen de fouiller le corps? Non, il n'y a pas de moyen. Et on va juste faire le tour vite fait de son laboratoire. Examiner. Alors, lire. Note de l'inventeur. Vague invisibilité, vague fantôme, vague mystère, vague magique. Des vagues que l'on ne peut pas voir. Que l'on ne peut voir. Ok. D'accord. Très étrange. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment tout son matos. Donc toutes les expériences qu'il a pu réaliser pour créer le robot, tout simplement. Donc après avoir fait le tour, on va tout simplement, après avoir fait le tour de l'atelier, on va tout simplement partir à la recherche du robot pour essayer de le retrouver, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à visiter, je pense. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. Là, il y a deux portes. On va y aller. Examiner note. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire maintenant? Note de l'inventeur. 5 ans. Un automate. Recevoir financement. Recevoir prix du meilleur scientifique. 6 ans. Deux automates. Lancer une fabrique d'automates. 10 ans. Sans automates. Devenir riche. 15 ans. Armée d'automates. Conquérir le monde. Ah ouais, mais qu'il était... Il était un peu starbé, je pense. Hein. Il était pas net, si tu vois ce que je veux dire. Là, on avait la chambre de l'inventeur. Ça doit être ça. C'est vraiment très très intéressant. Franchement, très intéressant. Il n'y a rien à dire. Et là, on avait le bureau. Montre-goût, il n'y a pas... Ah oui, bon, j'en ai déjà assez. J'ai déjà... Et là, c'est sa fameuse machine qu'on a vue dans la première mission. Ok, donc maintenant qu'on a fait le tour, on va tout simplement se mettre à la recherche du petit robot. Donc on va y aller. Allez, c'est parti. On arrive enfin après un immense trajet, les amis. Regardez, on voit les empreintes. Il est juste ici. Ça, quel plaisir. Alors, je vais quand même vous montrer tout le trajet qu'il a fait. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Donc, on est parti de ici. Voilà, de son laboratoire jusqu'ici. C'est un truc de malade. Je sais pas en combien de temps il a réussi à faire le trajet, le robot, mais... Wow. C'est... Je sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs. C'est un truc de malade. Papa, voilà. Et là, il appelle papa. Donc, je sais pas s'il appelle papa, moi, dans le sort où je suis venu quand même le chercher. Ou je suis venu jusqu'à lui. Ou s'il appelle papa son créateur. Mais je pense qu'il appelle papa son créateur. Bah, t'as quand même tué ton créateur, poteau. Il fait de la peine. Il fait clairement de la peine. Donc voilà l'easter egg, franchement, petit easter egg vraiment sympa à réaliser, j'ai vraiment aimé le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. À mettre mon code créateur fixé dans la boutique d'objets ainsi qu'à me suivre sur Instagram, c'est fixy-ytb, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Fixy, portez-vous bien, allez, peace. Back from the dead. I'm